Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue sur la chaîne. Et alors justement, si vous atterrissez sur cette chaîne et que c'est la première vidéo de moi que vous voyez, ne soyez pas surpris ou surprise par mon maquillage. Je viens de filmer une vidéo en fait. Donc c'est la deuxième que je filme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est journée vidéo, j'en filme deux. Et je me suis fait un make-up en fait spécial, on va dire néon, spécial Gay Pride, puisque le mois de juin c'est un mois assez particulier justement où on célèbre et on consacre la Gay Pride, les travestis, etc. Donc j'avais envie de faire un make-up aujourd'hui avec cette tendance-là. C'est pour ça que c'est très coloré, très néon, voilà tout ça. Et j'ai utilisé ma petite palette MAC Art Library, la Heat Designer, pour ça, qui est voilà absolument magnifique. Et de toute façon, je vous publierai le tuto où je fais ce make-up, donc néon Gay Pride, soit avant, soit après cette vidéo. Mais voilà, c'était juste une petite aparté. Avant de commencer, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite revue, c'est pas un tuto, un peu particulière. J'ai envie de vous parler de mes anti-cernes, de mes concealers préférés, vraiment mes favoris. Alors pour ceux et celles qui me suivent, vous savez quelle importance j'attache au teint. Pour moi c'est vraiment la priorité. Et donc concernant le teint, on a bien évidemment le produit teint, que ce soit un fluide embellisseur teinté, une bébé crème, une CC crème, un fond de teint, etc. Et l'anti-cerne, bon la poudre et tout ça, mais l'anti-cerne pour moi c'est un produit qui est fondamentale. Et d'ailleurs, c'est un des produits dont je ne pourrais pas me passer. Je crois qu'un jour, dans une de mes vidéos, je vous avais dit que, voilà, pour moi, les essentiels, c'était vraiment mascara, anti-cerne. Parce que l'anti-cerne, ça va changer votre visage, votre regard. Puisque quand on a des cernes, on a tout de suite l'air un peu fatigué, la mine un peu tristounette, un peu grisâtre. Et donc, c'est vrai que c'est un des produits que j'ai le plus. J'avoue que j'en ai pas mal. Parce que c'est un produit que j'applique pour le coup quasi quotidiennement, sauf le week-end ou quand je reste chez moi et que je ne me maquille pas. Mais voilà, pour moi ça fait partie vraiment des essentiels, des indispensables make-up. Et du coup, je voulais aujourd'hui voilà, vous présenter quels sont selon moi les meilleurs. Et d'ailleurs, avant de passer tout de suite aux anti-cernes, j'ai envie de commencer une sorte de petite série sur ce thème-là, c'est-à-dire mes meilleurs produits dans telle ou telle catégorie. Je ne sais pas si ça vous tente, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence par les anti-cernes parce que comme je vous dis, c'est un des produits les plus fondamentaux pour moi. Je ne suis pas encore assez expérimentée pour faire les fonds de teint, mes meilleurs fonds de teint, il faut que j'avance encore un peu et que j'expérimente, mais j'aimerais bien voilà, faire une série dans ce genre-là, sur ces thèmes-là, donc voilà, dites-moi si ça vous tente. Voilà. Alors, mes meilleurs anti-cernes. Des anti-cernes, j'en ai testé, franchement, j'en ai testé, mais alors, je sais pas combien. C'est vrai que dans ce domaine, toutes les marques en font, toutes les marques sans exception, on a vraiment un choix incroyable avec des hautes couvrances, des moyennes couvrances, des couvrances légères. On a des teintes vraiment pour toutes les carnations. Enfin, il y a vraiment un choix de dingue. Donc moi, j'en ai testé beaucoup et aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de ceux que je préfère. Alors, je fais juste une dernière petite aparté. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la colorimétrie, justement, où je vous expliquais un petit peu quel sous-ton il est nécessaire d'avoir dans le produit en fonction de la couleur de nos cernes, si elles sont plutôt violacées, bleutées, grises, etc. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais dans ma vidéo colorimétrie, j'expliquais bien, voilà, prenez un anti-cerne avec des sous-tons jaunes ou des sous-tons roses si vous êtes dans tel ou tel cas, etc. Alors, tout d'abord, je vais vous parler, je vais les diviser un petit peu en trois catégories, les anti-cernes haute couvrance, les anti-cernes couvrance moyenne et les anti-cernes couvrance légère. Et je vais vous montrer mes préférés dans chacune. Donc je commence d'abord par les anti-cernes à haute couvrance. Donc moi c'est les anti-cernes que j'applique pas très souvent, on va dire, parce que je préfère la couvrance moyenne. Mais les anti-cernes que j'ai, la haute couvrance que je préfère, c'est ceux que j'applique quand vraiment j'ai pas dormi, ou je suis très très fatiguée, ou alors j'ai pleuré, ou enfin en tout cas quand j'ai des cernes vraiment très prononcées, voilà, qui me donnent un air vraiment, une tête de mort, quoi, la tête de fatiguée. Donc le premier, c'est un anti-cerne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'est le fameux Shape Tape de Tarte, donc c'est celui-ci hein, que vous connaissez tous et toutes, je pense. C'est un anti-cerne, franchement, il est génial. Il vaut vraiment sa réputation, vraiment. Il a la réputation d'être extraordinaire et c'est vraiment le cas. Donc il est très couvrant, mais en même temps
très facile à appliquer. Il faut le poudrer, enfin moi je le poudre en tout cas. Il tient vraiment toute la journée, il file pas dans les petites ridules. Enfin, il est vraiment génial. Voilà, pour un anti-cerne à haute couvrance, moi je le trouve exceptionnel. De toute façon, hein, comme d'habitude, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Tous les anti-cernes que je vous présente là, leur prix, les marques, etc. Je vous mettrai tout. Donc voilà, il y a celui-ci d'abord, le Shape Tape, qui est génial. En haute couvrance, un anti-cerne que j'adore aussi, c'est le Born This Way de Too Faced, qui est comme ça. Donc c'est à peu près la même formule que le Shape Tape en fait. C'est deux anti-cernes qui promettent les mêmes choses, qui ont approximativement les mêmes caractéristiques, on va dire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de tutos, enfin, ou de revues sur YouTube avec un combat entre les deux anti-cernes parce qu'ils se valent à peu près. Donc voilà, le Born This Way. Ce qui est bien en plus avec celui-là, c'est que il sert d'anti-cerne, mais également on peut faire autre chose avec. C'est pour ça que dessus c'est marqué multi-usage. On peut faire les points de lumière, on peut se faire du contouring. Enfin, on peut vraiment, on peut faire plein de trucs. C'est pour ça que d'ailleurs le tube est assez gros. Donc voilà, je vous mettrai les teintes que j'ai aussi. Hein. Pour le Shape Tape, pour moi, je l'ai en teinte médium. Et le Born This Way, je l'ai en teinte porcelaine. J'ai le fond de teint en fait en teinte porcelaine d'ailleurs aussi. Et celui-là est vraiment génial. Le troisième en haute couvrance que j'aime énormément, c'est l'infaillible de L'Oréal More Than Concealer. C'est celui-ci que moi j'ai en teinte numéro 337 Almond. Et alors celui-là, c'est vrai que c'est le dupe du Undercover de Dior. Il est assez couvrant, mais pour moi il ressemble vraiment aux deux précédents, quoi. C'est-à-dire haute couvrance, super tenue, fini quand même assez naturel, il tient bien et il est super. Voilà, ce que je voulais faire aussi, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, c'est de vous présenter des anti-cernes vraiment à tous les budgets. Donc voilà, il y a des anti-cernes comme Tarte, il va y avoir du Je mets Maybelline, vraiment, il y a vraiment un peu de tout. Donc, si vous avez les moyens et que vous avez envie d'acheter du Too Faced ou du Tarte, voilà, vous pouvez vous lancer dans ces deux-là. Si vous cherchez une haute couvrance, mais voilà, à un prix plus abordable, et ben le L'Oréal, la More Than Concealer, que moi j'ai acheté à 3-4 euros sur Amazon, il est vraiment super. Et le dernier, dans la catégorie haute couvrance, c'est la crème de camouflage extrême de Makeup Forever. Donc c'est ce petit produit-là. Moi j'en ai deux parce que je l'ai en teinte numéro 4 et en teinte numéro 8. Alors en teinte numéro 4, je m'en sers surtout pour faire les cut crease, ce genre de truc. Et comme anti-cerne, je me sers de la teinte numéro 8. Et là c'est pareil. Bon, par contre il est différent des trois autres, hein. C'est pas un petit applicateur mousse comme ça, puisque les trois précédents, c'est des applicateurs classiques. Celui-là, c'est un petit tube en fait, comme ça, donc vous le mettez sur votre main et après vous l'appliquez soit au beauty blender, soit au pinceau, soit même au doigt si vous avez l'habitude, sur vos cernes. Mais ce petit produit-là, là, de Makeup Forever, la crème de camouflage, c'est vraiment un super anti-cerne. Quand moi je suis fatiguée et que j'ai des cernes vraiment prononcées, ça vraiment c'est un super produit. Pour le coup, il porte vraiment vraiment bien son nom, parce que là il va camoufler, mais quand je vous dis camoufler, c'est à 100%, mais toutes vos cernes, quoi, tout en restant naturel. De toute façon, voilà, vous le savez, moi j'aime le naturel, c'est vraiment ce que je recherche. J'aime pas du tout les produits qui font un effet plâtre. Et pour le coup, en termes d'anti-cerne haute couvrance, ces quatre là, je les aime, alors que j'aime pas normalement la haute couvrance. Donc c'est vraiment, voilà, pour vous dire que ce sont des concealers haute couvrance, mais qui font quand même un fini naturel. Donc si vous recherchez les mêmes choses que moi, si généralement vous aimez bien vous maquiller de la même manière que moi, avec un effet un peu seconde peau, mais que vous recherchez de la haute couvrance, et ben ces quatre là vraiment ils sont géniaux. Du coup, ensuite on va passer aux anti-cernes, on va dire couvrance moyenne. Donc en fait, c'est ceux que moi j'applique le plus, généralement. Quand j'ai pas trop de cernes, quand je suis en mode normal, quoi, enfin quand j'ai un visage, une peau normale, c'est ceux à couvrance moyenne que j'applique le plus. Alors, ce que je préfère, c'est déjà la BB Eye et la CC Eye d'Herborian. Donc la CC Eye, je l'ai pas là parce que je l'ai terminée, mais la BB Eye, elle est comme ça. Donc elle va avec toutes les crèmes d'Herborian. Je vous avais fait une revue là-dessus aussi sur les produits Herborian, n'hésitez pas à aller la voir, qui sont de petites merveilles. D'ailleurs sur la vignette j'avais marqué magique, parce que pour moi c'est vraiment des produits qui sont magiques. Et donc la BB Eye, la CC Eye, c'est des... Pff, franchement c'est une tuerie, quoi. C'est des produits qui sont... mais je sais pas, ils sont indescriptibles. Voilà, ils vont camoufler vos cernes tout en apportant en plus de l'éclat, de la luminosité, ça va vous ouvrir le regard, ça va l'illuminer, hyper facile à appliquer, enfin bon, je sais même pas quoi dire de plus, ils sont parfaits en fait, ils sont parfaits. Donc celui-là, la BB Eye,
C'est voilà, c'est marqué contour des yeux, soins lissants, correcteur de cernes, plus effet beau de bébé 3 en 1. Et la bébé, pardon. Et la CC, c'est un petit peu le même principe, mais avec, on va dire, un petit peu plus de... Comment on pourrait dire ? Un petit peu plus de lumière, on va dire. Un petit peu plus de... Ouais, de glow, voilà. Mais celui-là, couvrance moyenne, génial. Alors, toujours dans la couvrance moyenne, l'anti-cerne que j'applique le plus... que j'applique, allez, on va dire un jour sur deux, c'est le Prolongwear de MAC. C'est celui-ci que moi j'ai en teinte NW20. Bon, alors celui-là, c'est pareil, il contient plusieurs sous-tons et justement les lettres correspondent aux sous-tons, soit jaune, soit rose, etc. Voilà, celui-là, c'est vraiment mon chouchou à couvrance moyenne que j'applique quasiment tout le temps, quoi. Il est extraordinaire. Donc là, c'est une petite pompe, par contre, c'est pas un embout. Donc faut le mettre sur votre main, pareil. Bon, ceux ou celles qui regardent mes vidéos, je pense que vous m'avez vu l'appliquer dans des dizaines de vidéos, donc je vais pas forcément m'étaler dessus, mais c'est une petite merveille, vraiment, cet anti-cerne. Et le dernier que je voulais vous présenter, donc dans la catégorie couvrance moyenne, c'est justement un anti-cerne, comme on dit, drugstore, quoi, enfin accessible, qu'on peut acheter en grande surface. C'est le Fit Me de Je Mets Maybelline. Donc moi j'en ai deux, parce que j'en ai un en teinte 20 et un en teinte 25. Ça dépend, voilà, de la carnation, ça dépend du bronzage et tout. Parfois je mélange un peu les deux pour avoir la bonne teinte. Ceux-là, donc, on les achète dans quasiment toutes les grandes surfaces où la marque Je Mets Maybelline est vendue. Il est pas très cher et il est exceptionnel, quoi. Franchement, il est exceptionnel. Et le Fit Me, je vous assure qu'il vaut largement, mais alors largement, des dizaines d'anti-cernes qui valent 3 fois ce prix-là, quoi. Donc ça, c'est une pépite. Le Fit Me, c'est une pépite, surtout si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent dans un anti-cerne, quoi. Et enfin, du coup, pour finir, je vais vous présenter mes anti-cernes chouchou dans la catégorie, on va dire, couvrance légère. Alors, les premiers, c'est toujours Je Mets Maybelline. C'est les anti-cernes Eraser, c'est ceux-là que je cherchais depuis des mois et des mois. Et enfin, j'ai réussi à les avoir. Instant anti-âge, donc ils sont super connus, hein, ils sont connus dans le monde entier. Je crois que toutes les femmes de maquillage et tous les ont dans leur make-up. Donc moi je l'ai en teinte numéro 02 nude, c'est celui-ci, et en teinte 6 neutralizer. Et ça, c'est deux petits produits, pareil, quoi, extraordinaires. Ils sont indescriptibles. Alors ce qui est... Ouh, putain, je fais tout tomber. Ce qui est top en plus avec ces petits produits, c'est l'embout, que je trouve, moi, hyper original. C'est un petit embout mousse comme ça et hyper pratique pour appliquer le produit. Du coup, ça fait comme une sorte de mini beauty blender, en fait, intégré, enfin d'éponge intégrée au produit. C'est vraiment top, sachant que moi, je l'applique généralement avec la petite mousse, mais quand même, après, je prends un petit beauty blender humidifié pour bien bien estomper la matière et la faire pénétrer dans la peau. Mais ces deux petits produits sont géniaux. Alors, je mets à couvrance légère parce que... c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très couvrants, sachant que la couvrance est modulable, comme l'autre là que je vais vous présenter d'ailleurs. Donc, vous pouvez avoir une couvrance un peu plus importante si vous souhaitez, mais à la base, c'est plutôt couvrance légère. Et donc, celui dont j'allais vous parler, qui est un de mes chouchous aussi, couvrance légère, c'est le Radiance Revel de Bourjois. Celui-ci, anti-cerne, donc qu'on peut acheter également en grande surface, qui est pas très cher. Donc moi, je l'ai en teinte 02 beige et je suis tombée dessus il y a pas longtemps. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur. Tout comme le fond de teint Healthy Mix là, de Bourjois. Là, j'ai eu vraiment un coup de cœur de malade, quoi. Et l'anti-cerne aussi. Donc il est, franchement, il est génial. Donc si vous en mettez qu'une seule couche, c'est vraiment une couvrance légère. Donc si vous n'avez pas beaucoup de cernes, c'est vraiment parfait, parfait. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'en mets deux couches quand même, parce que j'ai quand même des cernes assez prononcées au quotidien. J'en mets deux couches, mais la couvrance reste quand même très fine, très fluide. Il s'applique tellement facilement. Donc celui-là, c'est un petit embout comme ça, classique, hein, comme la plupart des anti-cernes. Et pareil, grande surface, pas cher, petite pépite, quoi. Et le tout dernier de mes anti-cernes favoris, c'est pas vraiment, on va dire, c'est pas un anti-cerne par définition. C'est ma fameuse Touche Éclat d'Yves Saint Laurent, qui est comme ça, que j'adore, vous le savez. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous l'avais mis dans le concours, parce que c'est un produit que j'utilise depuis plus de 10 ans.
Je vous avais dit que pour moi c'était un incontournable, quoi, un essentiel. Il a toujours fait partie de mon maquillage et je pense qu'il en fera toujours partie. C'est un petit stylo comme ça, qui est donc hyper facile à appliquer. Enfin, moi j'aime beaucoup beaucoup ce type d'applicateur. Alors moi je l'ai en teinte numéro 2. Alors pendant des années, on va dire, allez, de 19 à 25-26 ans, je m'en servais comme anti-cerne et je n'utilisais que ça. Aujourd'hui, j'applique ça comme anti-cerne vraiment quand j'ai besoin d'un tout petit peu de couvrance, voire plutôt de l'éclat et de la luminosité que de la couvrance. Sinon, je l'applique surtout pour faire des points de lumière, creux du menton, aile du nez, entre les sourcils. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un super produit, parce qu'il peut servir d'anti-cerne, mais aussi de plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Touche Éclat et pas anti-cerne. Mais ça, c'est vraiment génial. Vous avez énormément de teintes en plus, parce qu'au début, il y en avait très peu, puis après, au fil des mois et des années, ils en ont sorti plusieurs. Par contre, ça reste du Yves Saint Laurent, donc c'est pas donné, je vous mettrai les prix. Mais voilà, c'est mon dernier petit produit dont je me sers comme anti-cerne quand je veux une légère couvrance que j'adore vraiment, vraiment. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment mes anti-cernes qui sont mes anti-cernes préférés de tous ceux que j'ai pu tester ces dernières années. Franchement, je vous dis, voilà, il y en a vraiment à tous les prix. Il y a différentes couvrances et moi j'ai besoin d'avoir dans mon make-up des anti-cernes avec différentes couvrances, parce que ça dépend des jours, voilà, ça dépend de notre état de fatigue, etc. Ou même de ce qu'on souhaite, hein, tout simplement. Parfois il y a des, je sais pas, une soirée par exemple, on n'est pas forcément fatigué, on n'a pas forcément de cernes, mais on a envie d'avoir une couvrance importante pour avoir vraiment un contour de l'œil presque photoshopé, quoi. Mais voilà, vraiment tout cela, tout ce que je viens de vous montrer, faites-moi confiance, ce sont tous, enfin, des pépites, quoi. Vraiment, ce sont des petites merveilles. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, parce que c'est les meilleurs que j'ai pu essayer jusqu'alors. Il m'en reste un à essayer dans ma réserve, que j'ai jamais essayé encore. C'est ce petit Nars là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dites-moi dans les commentaires, parce que moi, je ne l'ai pas encore essayé. J'attends un petit peu. Il se présente sous forme de petit embout, comme ça. Je l'avais acheté pas cher. Il était en promo un jour sur Sephora, donc je me suis dit, je vais me le prendre. Je l'ai pris en teinte light de vanilla. Donc celui-là, je ne le connais pas encore, mais dites-moi vous, hein, si vous le connaissez. Et enfin, j'ai mon petit correcteur de camouflage, vous savez, Inglot, qui peut servir d'anti-cerne de concealer. Mais pour le coup, pareil, je ne l'ai jamais utilisé comme anti-cerne, puisque moi, je m'en sers pour faire, vous savez, le cut crease du côté interne de l'œil. Ça, c'est une petite merveille, pareil. C'est un petit produit en or. Mais voilà. Ces deux-là, je les ai jamais testés comme anti-cerne. Donc, je le ferai un de ces quatre. Mais voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Mais bon, j'ai déjà pas mal de trucs à finir avant. Mais voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Surtout si vous êtes un peu perdu, voilà, dans tous les anti-cernes. On en voit tellement. Si vous savez pas forcément quoi choisir, à quel prix, quelle couvrance... et que vous me faites confiance et que vous avez l'habitude de me suivre, et bien écoutez, tout cela, voilà, franchement, ce sont mes préférés. Je ne vous présente pas, je ne vous parle pas de tous ceux que j'ai pas aimés. Il n'y a pas d'intérêt, franchement, parce que j'en ai testé plein que j'ai pas forcément aimé. Mais bon, ça sert à rien de vous en parler, autant ne vous parler que de ceux que j'adore. Ils seront tous dans la barre d'infos avec les marques, les prix et tout, les endroits où on peut les trouver. Si vous voulez d'autres infos sur tel ou tel anti-cerne, ben surtout, vous n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Hein, je répondrai avec grand plaisir. Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, si ce type de format-là, de vidéo, vous intéresse et que vous voulez que je le fasse, par exemple, je sais pas moi, sur les poudres, sur les fonds de teint, sur je sais pas, les mascaras, enfin n'importe quoi, et ben moi, j'aimerais bien. Moi, ça me plaît bien comme idée. Enfin, en tout cas, ça me plairait bien. Ben écoutez, voilà, je vais aller ranger tous mes anti-cernes. Parce que là, regardez, ça fait un sacré tas. Oh là là, mais n'empêche, quand je vois ça, non mais regardez tous les anti-cernes. Je me dis, mais ça va pas bien, hein. Ça va pas bien d'avoir tout ça. Hein. C'est... Mais bon, ce ne sont que mes préférés, donc ce ne sont que ceux que j'ai gardés. Tous ceux que j'ai pas aimés, soit je les ai donnés à des copines à qui ils convenaient, soit je les ai jetés, quoi, parce qu'ils ne me plaisaient pas. Donc bon, voilà, c'est pour me déculpabiliser, c'est tout. Bon, allez, j'arrête de bavarder, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.